Je rappelle que j'ai aussi un détail super important, c'est que Léane est repartie à Dijon. Donc, ça fait que. Bah, elle n'est plus là. Et elle ne sera pas dans les prochains vlogs avant un petit moment. Et surtout, bah, on l'a déposée à la gare avec Agnès et Léna, c'était un très grand moment. Et Sacha qui a débarqué, c'était aussi riche en émotions. Donc voilà. Waouh! Que dire? On est lundi. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Aujourd'hui est une journée productive. J'aime trop dire ça, alors qu'au final, pas du tout. Donc déjà, là, je viens de me réveiller. Il doit être à peu près 10h45. Faut que je poste... Enfin, que je finisse de poster la vidéo du vlog de Londres. Ensuite, je dois aller manger avec Anouk. Parce que elle veut m'emmener aux rues. Donc, je vais aller le manger avec elle. Puis ensuite, je vais chez le coiffeur. Et pour finir, je vais à la salle. Et je fais mon grand comeback à la salle parce qu'il était temps que j'y retourne. Et là, je me dis vraiment, genre... L'année dernière, j'avais tellement le temps d'y aller alors que j'étais au lycée. Là, je suis en études sup, j'ai pas le temps d'y aller alors que j'ai largement plus de temps. Donc, je comprends pas. On se retrouve en après-midi. Trouvage de livres avec Anaïs. C'est génial. Là, je me remets à la lecture. J'ai pris plein de livres. Je vous montrerai tout ce que j'ai pris en rentrant. Mais j'en ai vraiment pris plein, plein, plein. Et après, salle de sport. C'est génial. C'est génial. J'ai pas envie d'aller faire du sport. J'ai trouvé plein de livres. Je suis trop contente. Je suis une grosse loveuse. Voilà. Je pense qu'on a un peu déconné niveau livres. On va passer des belles après-midi, moi je vous le dis. Ah non, mais c'est clair. Là, ça va bien lire. Tu veux un choupi pour soulager un peu tout ça? Mais enfin, je veux le grand jeu Pokémon. Non, trop beau, purant. Coucou les. Bon, je vous avoue que ce début de vlog était un peu cata. J'ai vraiment filmé aléatoirement. J'ai pas été construit, concis, ni rien du tout. Donc là, on reprend les bases. Compile de toutes les scènes que j'ai filmées aléatoirement. Pause. T'es en train de filmer ou pas? Oui. Je peux pas, c'est confession intime, désolé. Désolé. On a eu notre entrée en cours et tout. On a commencé assez tôt, à 8h moins 9h30. En mode. Il y a un truc dans ton gramme, mais genre là, t'es opéré ce matin, genre. Tiens, petit cœur. Bah, en fait, c'est machou. Merci, machou. Ouais, ouais. Local. Hein? Local. J'ai renversé du café. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé le jour de la rencontre avec le milieu. 1, 2. Campagne. Poubé. Bah là j'ai fait n'importe quoi. Ça fait une semaine que je suis rentré de Londres et j'ai pas réussi à vlogger une journée potable. Donc là on recommence. On commence le vlog à partir de ça et bah, on se retrouve demain matin. Voilà. Je pensais vraiment pas du tout être en avance aujourd'hui. Je pensais vraiment juste être pile poil à l'heure. Mais là je me retrouve à être en avance. Donc c'est pas que je me fais chier, mais je me fais chier. Est-ce que c'est une heure pour être à la gare Liffland? Non. Bon bah c'est parti hein. On n'a pas le choix, ça part. Petit problème, notre train a été supprimé. Il est actuellement 6h30 du matin. Oui. Voilà, c'est... Voilà, on est tous ravis d'être là. Voilà, nous. Rien de voir. Non. Ah mais bon. C'est la cata. C'est pas l'endroit le plus important, c'est la personne. Exactement, ça c'est beau. Je suis poétique. Si, ça c'est pas la vie de rêve. Si, ça c'est pas la vie de rêve. Qu'est-ce que c'est? Purin. J'adore. Tu veux quoi, toi? C'est la bagarre. On devait prendre un Uber, on se retrouve dans un bus. C'est ghetto. Parce qu'il y a du bouchon ici. Meuf, t'aurais à ton moment, genre, tu l'aurais fait glisser, genre. Est-ce que je bois? Attends, attends, t'as mis quoi? Sponsor vodka Ibis Hotel. Alors, bah, c'est la nouvelle boisson qui est sortie. Au parfum. Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup. Au élixir de chez Dior. C'est pour lui là. Ok. 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 Oh la masterclass. Oh, elle est trop belle. Oh, j'adore. T'as fait de télé, toi? Mais si, si.
Il y a un petit bag. Oh pardon, excuse-moi. Oh, c'est Mimi. Il y a quoi dans What's in my bag? What's in my bag? Moi, c'est un sèche-cheveux. C'est le sèche-cheveux que t'as cassé là. Mais les gars, non, ça c'est pas comme chez Anaïs, ça. Si, le pouf, c'est le même. Ah, d'accord. Ah, c'est ben, vraiment la même chose. Hello, my. Ah non, sauf que le tableau il est là devant. Bah, honnêtement, les vôtres sont mieux, non? Ouais. J'adore les hôtels. Là, on a le salon d'étudiants d'Amien tout le vendredi la journée, c'était trop cool. On n'a pas eu beaucoup de monde à l'EFAP et tout, donc ça c'est un peu relou parce que d'habitude on a plus de monde que ça, on n'en a pas eu beaucoup. Mais au moins, on a quand même pu faire des contacts. Et même, on est avec des filles qui sont au BDE avec nous, elles sont géniales. Vous les avez vues dans les séquences précédentes, donc c'est trop cool, on s'amuse trop, on rigole trop ensemble, et ce soir et tout, on va sortir, là on va se préparer. Bonjour. Je dirais pas ce qui vient de se passer. On l'a entendu, ma poupette. Ah merde. Et finalement, on s'est dit qu'on n'allait pas sortir parce qu'on est un peu vieux et on s'est un peu levé à 5h du matin. Soirée lecture, les gars, on va aller boire un petit verre. Et ensuite, Toto. Enfin non, puis, ensuite lecture, montage et Toto. Voilà, et Toto. Ah, du sol. T'es smart. Ouais, purin. Smart, les gars. Très mignon. Ce qu'on appelle... Lui, il traîne, là, les tortues, tout ça, il s'en fout. Mais je vais le récupérer, moi, je garde mon cadeau. Ils sont partis acheter des chocobons. Mais c'est pour le camion, ils ont quel âge? Non, mais ils sont sérieux, quoi. La honte. Waouh. Réveil compliqué. Crevé. Non, réveillé. Et allô, c'est mon étudiant. J'attends de voir si Anaïs, elle est prête. Les petits déj d'hôtel, meuf. C'est. Régalade. Régalade. Là, c'est l'instant petit déj. J'ai envie de me gaver. Moi aussi. Non, mais non, moi ça m'a saoulé, j'aime pas trop les petits-déj. Débarrasse tout le monde, tu peux le faire. Je l'ai fait. Comment ça, je viens de me réveiller, je vois qu'il neige. Genre, on est où? Je trouve ça vraiment trop bizarre. La météo, c'est vraiment aléatoire. Là, on va à la chronodrive. Je m'en réveille pour aller à la chronodrive. Quelle vie. Là, il faut ranger la bedroom. Être un peu responsable, quoi, parce que bon. C'est pas le cas. Là, on va faire du rangement, on va tout préparer et on va être. J'aime trop comment tu te protèges de la neige, meuf. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling? Est-ce qu'on a des amis aigris comme ça? J'ai déposé mon CV, moi. Bien. Est-ce que vous êtes dehors depuis 11h à attendre un putain de bus que j'avais passé? Vous avez fait du stop avec des inconnus, vous avez pris le train, il est arrivé une heure après que vous soyez arrivé à la gare, vous avez marché, vous avez fait vous casser la gueule 30 fois avec des SDF qui vous collent au cul, voilà. Moi je trouve que c'est un très beau jour de neige. De base j'aimais pas la neige, mais aujourd'hui j'aime ça trop.
cul est gris parce que j'aime pas la neige ou parce que j'ai faim. Ou les deux. Parce que ce gros plan te fait pas peur. Moi j'adore tout. En fait. Oula. Oula. Il est beau, oh, mon Pierre. Belle voiture. C'est des, oh, tu le fais à main nue, mais t'es belle fun. Voiture. Belle voiture. Meuf, à main nue. Vous serez vainqueur. En fait, si vous voulez, au ski, j'aime la neige. Mais là, dans un contexte pareil, où t'as cours, où tu dois vivre ta vie en tenue de ville. Let's go. You just got me started, and I don't think I can stop it.